forcément disponible. Donc, Alors que là, tout ce que j'ai chez moi, c'est stable et c'est moi qui le maîtrise. Donc, quelque part, ça dérange un peu. Ok. Récapitulatif. Oh, j'ai un deuxième portrait. Là, c'est que je commence à parler, les portraits apparaissent, c'est comme ça. Récapitulatif de notre partie d'avant, parce que c'est assez fou. Je reviens pas sur la bataille qui a eu lieu dans l'auberge. Je bénéficie en ce moment de mon voisin qui tond sa pelouse. Rien que pour moi, je suis fan de ce gars-là. On n'entend pas. Vaut mieux à cette heure-ci que le dimanche matin à 8h. Vendu. L'attaque s'était faite aux alentours de minuit. Le combat a duré à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. Ce qui veut dire que vous avez les moyens d'essayer de retrouver un peu de sommeil après. Quoique, trouver du sommeil après une bataille, c'est toujours un petit peu compliqué parce que l'adrénaline est là. Le sommeil vient pas facilement. Le plus agité d'entre vous, curieusement, c'est Sloan, qui a l'air très inquiet des blessures qu'il a. Et très inquiet du fait que... Voilà, du fait qu'il va pas pouvoir les soigner lui-même, vu qu'il doit se réserver pour le père Bastion. Donc, il est retourné au fond de l'auberge, là où il y a le feu, et il examine les brûlures sur son bras, et il a l'air, voilà, il a l'air inquiet, il a l'air pas très rassuré. Eh ben, je vais aller voir ça, moi qui ai d'autres personnes aussi avec premier soin. Non. J'ai premier soin. Allons voir ça. Vous vous rendez au fond de l'auberge. Sloan vous regarde approcher, essayant de masquer son embarras sous un sourire de circonstance. Vous êtes bien battu. Je pars du principe qu'il s'adresse plutôt à William, hein, parce que moi j'ai rien foutu. Ça a été compliqué. Surtout pour toi. Pourquoi vous faites cette tête-là ? Comment tu te sens ? Ah, moi, bon, ça va, moi. Il faudra aller voir. Et on va jeter un œil à ça. C'est rien. C'est 2-3 brûlures. Ouais, c'est ça. Je regarde ça et ensuite je passe aux autres. Zou. Il soupire, te laisse t'approcher, tu regardes, alors la toge qu'il porte est complètement calcinée au niveau de l'épaule, laissant apparaître des sortes de sillons rougeâtres et un peu croûteux, là où la sphère enflammée est passée. C'est des brûlures au troisième degré, c'est assez violent. Ça doit être très douloureux. Tu lui reconnais un certain flegme, parce que les brûlures, c'est pas le truc le plus évident à supporter. Et surtout maintenant que le temps a passé, la douleur doit ressurgir. Et ma foi, il a l'air de supporter assez bien la douleur. Il serre les dents, on va dire ça comme ça. Je vous rappelle, si vous l'aviez oublié, que pour utiliser premier secours, il faut un objet qui est consommé à chaque fois, qu'on appelle des sacs de remèdes. D'où ma question, n'ayant pas accès à votre inventaire, avez-vous des dés ou un ou sac de remèdes? Parce que sinon, pas de premier soin. J'en ai un. Ok. Du coup, c'est pas à moi de prendre la décision, donc je t'écoute. On va quand même soigner le prêtre, parce que les autres, ils ont l'air de tenir debout. Lui aussi, il a l'air de tenir debout, mais... Tu fouilles dans ton sac, tu extrais... Ça vous va ? La sacoche. Oui. J'ai pas beaucoup d'argent. Moi, ça me va, j'ai pris que quelques coups, mais je peux encore tenir debout sans problème. Royce, il est en train de se rouler par terre. Ah, mais moi, ça va, je suis à mon bras, je saigne. On a le footballeur italien de l'équipe. Ah, c'est moche. C'est Royce Naldo. Sloan, actuellement, il a perdu 10 points de vie. Et moins que Royce.
quelque part, voilà, quelque part, moins que le footballeur italien. Ce qui veut dire que la difficulté pour le soigner, c'est pas bien compliqué du coup. C'est 10. Autant dire que lancer un des 10, ajouter ta volonté et ton rang de premier soin, à moins que tu ne fasses 1 sur ton dé, puisque 1 est toujours un échec, ça aura fonctionné. Non, 4 ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est à peu près la moitié, quoi. Ouais. Tu le soignes tant que tu peux. N'oublie pas de rayer ce sac de remède de ton inventaire. Te trouvant fort démuni, je rappelle à ceux qui ont herboristerie que les sacs de remède, ça se ramasse en allant à la cueillette avec herboristerie. Ouais. Hein, dis ça et dis rien, mais... ça demain. Voilà, ça sera peut-être dans les trucs à faire prochainement. Sloane te regarde t'occuper de lui. Avec pour une fois, il est conscient, c'est vrai. Oui, c'est exactement ça. Avec un regard que tu trouves un peu particulier. Tu dirais gêné, peut-être. Enfin bon, te laisse faire, admire le travail, te remercie en tout cas, et te glisse un... On va essayer de terminer la nuit. Et retourne sous sa couverture, en essayant de dormir du côté où il n'est pas brûlé. D'accord. Est-ce que je vais juste vérifier que les autres ont rien de grave et qu'ils sont pas en train de saigner à mort. Ça serait alors, con, une hémorragie. Le plus blessé du coup, c'est Royce le valeureux, Royce l'endurant, Royce l'incassable, comme on l'appelle, qui s'est pris des coups divers et variés de ces sales petites créatures. Ta première inquiétude, en fait, c'est que les armes qu'elle maniait étaient des trucs récupérés dans la nature, des bouts d'os effilés. T'avais un peu peur que ça soit pas super hygiénique comme genre de blessure. Mis à part les laver avec de l'eau, t'as plus de matériel pour faire grand chose d'autre, mais non, globalement, aucune des blessures que tu vois t'inquiète. Hein. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre... les chevaux un peu plus en vue, parce que là ils sont un peu derrière le bâtiment, pas vraiment sous nos yeux, il n'y a pas de fenêtre qui donne dessus. Éventuellement les dételer et les rentrer dans l'auberge. Ouais, je fais ça. Ok. Et pendant ce temps... je mets la charrette en vue de la porte. Sol te dit, et si on mettait la charrette devant la porte? J'aime pas trop nous empêcher de sortir, mais disons bah, pas loin devant. Il y a les fenêtres. Ouais. Ah, mais comme tous les héros, on sautera dans la charrette et on partira en courant. sauf que vu qu'il n'y a pas les chevaux, la charrette, elle va pas aller très très loin. Mais... Sur le papier, ça aurait été génial. Hein, en avant! Non, mais il n'y a pas les chevaux, William. Arrête de fouetter dans le vide, il n'y a rien. Et derrière vous, il y a les nains qui font semblant de courir. Pour vous donner l'impression que vous partez. Et qui reculent, en fait. Oh, ils, sont vous éloignez. Ils sont vraiment participatifs, ces narnes, quand même. Et que fait Royce pendant ce temps? En termes de feu de camp, tout ça, on a tout. Le feu qui est du côté du père Bastien est toujours vif. Effectivement. En termes de confort, vous êtes au max de ce que vous pourriez cracher. Ok. Ben, moi, je vais essayer de me reposer, du coup. Tu évalues... Tu es le plus chasseur de tous. Mmh. Tu évalues quand même que demain matin, vous allez sûrement avoir faim. Ok. Alors, je sais pas jusqu'à quel point vous avez tous des rations pour manger sur vous. Alors, moi, j'ai 6 rations de voyage sur moi. Ok. Et les autres ? Que je me sois dit, j'achèterai avant de partir. J'ai appelé ce genre de Donc, Altean a rien. Ah non, j'ai plein de rations en fait. J'en ai plein. T'en as plein ? J'en ai plein, j'en ai 13.
D'accord. Il a un sac avec des saucissons qui dépassent, des marmites. Non, mais moi, ça va, je... Caradoc, tu vois. Ouais. Caradoc en aventure. Sloane n'a rien. C'est curieux à dire, mais c'est pas un aventurier dans l'âme, et il n'a pas pensé qu'il devrait manger. Sol a des rations aussi. Alors, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de voyages jusqu'à la tour. Normalement, vous avez un jour, à partir de demain matin, plus éventuellement le retour. Donc voilà, ça vous donne à peu près une idée de combien de fois il va falloir manger et de combien de rations vous aurez besoin. Toujours est-il que pour ceux qui n'ont pas de rations ou qui ne veulent pas les dépenser, aller chasser est un moyen de créer des rations. Voilà. Ouais, on va voir ça demain. Donc, il faudrait aller chasser, ramasser les plantes. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Royce s'endort. Altea certainement aussi. Ouais. À moins qu'elle ne me voir avec Saul. Qu'elle ne me contredise. Ça dépend parce que vu que les autres sont blessés, je vais peut-être monter la garde. Parce que ça va dans l'ensemble, moi. J'ai pas. Elle avait dormi jusque là. Bah vous décidez. On va laisser le valeureux Royce se reposer. Je vous laisse décider de vos heures de surveillance. Je prends la première. Je prends le premier tour. Et puis, comme Altea aime bien se réveiller le plus tard possible, on va la laisser prendre le dernier. Donc, Sol va se glisser au milieu. Par contre, on fait des tours inégaux. On fait un tour plus court pour William parce qu'il en a déjà eu un, lui, en début de nuit. Ouais, ça va aller. Alors, je veux pas dire bêtises, mais il me semble que le premier tour de garde, c'était pas Royce. C'est moi qui l'avais. C'est c'est toi qui l'avais, et donc c'est Royce celui a fait de... le premier, William le second. Donc celui de William qui a été. Sol n'en a pas fait, en fait. Sol n'en a pas spécialement fait. Toi non plus, Altea. On reprend le cours de ce qui était prévu. Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Voilà, William finit le sien, et après on prendra les nôtres comme c'était prévu. Tu réveilleras Sol, et il réveillera Altea. Au petit matin. La nuit, c'est pas hyper hyper bien passé, hein, faut être honnête. Royce s'est reposé comme il a pu, ça va un peu mieux que quand tu t'es couché, c'est pas non plus la folie. Mais surtout, quand vous vous réveillez tous les trois et vos compagnons, c'est... vous avez la dalle. Mais une dalle monumentale. À vous de faire un choix. Mangeons. Vous sortez vos rations ? Ouais. Eh ben, rayez ce qui doit être rayé. Profitons d'être à l'abri. Rayez ce qui doit être rayé. Est-ce que quelqu'un nourrit Sloane ? Oui, je vais donner les rations à ceux qui n'en ont pas. Donc Royce, tu en as. Oui. Altea n'en a pas. Donc une. Moi, deux. Sol en a. Sloane n'en a pas. Ouais, trois. Donc on en est à trois. J'enlève trois rations. Ok. Distribution des repas, vous mangez. J'ai l'impression plutôt en silence. Gentil, merci. Oui. Mais par contre, Royce, si tu te sens en état, il faudra voir à essayer de peut-être de faire un petit peu de chasse et quand on faudra voir ce que l'un d'entre nous reste, soit Saul, soit toi, auprès des autres. Quand on voyagera vers la tour. J'irai à la recherche de quelques denrées comestibles. Alors, Altea, tu aurais besoin de quelque chose peut-être ? Il vaut dans mieux ce le cas-là, faire... je vais peut-être l'accompagner chercher des plantes. Il vaut mieux le faire avant le voyage. Parce que si tu pars chasser dans une direction pendant que tout le monde avance dans une autre direction, il n'est pas exclu que vous ne vous retrouviez jamais. on sait tous où est la tour, hein. Oui, mais la tour est au milieu de colline, alors qu'on a de la forêt à côté, où il y a peut-être plus de chances de choper quelque chose. C'est, donc, tant qu'on a de la forêt, on devrait en profiter. Pour en discuter un peu avec Sol, qui est un chasseur aussi,
Là, il doit être à peu près 7h30, 8h du matin. Ça serait aller chasser jusqu'à 9h30, à peu près. Parce qu'une fois que vous avez chassé, il faut s'occuper du gibier. Enfin, ça se trimballe pas sur le dos, des carcasses mortes. Ça fait que vous rentrez à 9h30, vous transformez tout ça en ration jusqu'à 10h. Et à 10h, vous prenez la route. Ok. Ça semble être le plus... Et là, par contre, pour aller chasser, vous partirez chacun dans votre direction. Parce que le but, c'est de chasser un maximum et pas d'être les deux sur le dos du même gibier, quoi. Une fois le repas terminé, eh ben, il est temps de vous affairer. C'est-à-dire que Sol prépare ses armes en papotant avec Royce de techniques diverses et variées. Du genre de gibier qu'on va pouvoir trouver dans le coin, par exemple. Sol t'avoue que lui-même n'est jamais venu jusqu'à cette forêt-là. La Grand-Bois, c'est pas un coin qui est très recommandé. Ambre lui a souvent dit de ne pas y traîner, que ça pouvait être potentiellement dangereux. Et du coup, qu'est-ce que vous allez trouver comme animaux, il ne sait pas trop. Ça sera un peu la surprise. En tout cas, il t'enjoint de faire gaffe, quoi. Ok. Au moment où vous partez chasser, à moins que tu aies une précision à faire... Non, il y a qui avec moi du coup qui part? J'y vais pas tout seul. Normalement, il y a toi qui pars, Saul qui part, moi je reste pour protéger les autres, et Altea t'accompagne. Moi je cherchais des herbes, je sais pas où est-ce que c'est le plus... Alors... Il vaudrait mieux que tu le fasses avec quelqu'un, si possible. Bah, avec nous, oui. Le risque, c'est que si tu chasses... Si Royce chasse avec quelqu'un qui ne sait pas chasser, il a peu de chances de trouver du gibier. En résumé, tu vas faire du bruit, tu vas pas arriver à le suivre, et il n'arrivera pas à chasser. Est-ce qu'Altea peut trouver quelque chose pour refaire ses stocks autour de l'endroit où on campe? Elle peut chercher. Ouais, elle va se débrouiller, vous inquiétez pas. Elle s'éloignera, elle peut chercher. Hein, vous partez. Non, mais pas trop, elle quand même. A pas peur. Vous faites donc trois groupes de 1, deux qui partent en pleine forêt et une qui reste plus ou moins à l'orée, plus ou moins dans le village. Les meilleurs. Pour rechercher. En même temps, le village, c'est là qu'on s'est fait attaquer, alors ça se trouve, plus loin, c'est mieux. Je vais... Fais juste gaffe à pas suivre la piste des narnes, hein, quand même, pour pas aller droit vers leur grotte. J'essaye de pas être con à ce point-là. Si seulement tu savais comment repérer la piste des narnes, qu'est-ce que tu serais contente. Vous allez me lancer un D6, Altea et Royce. Vous allez me lancer juste un D6. Ces lancers de D6 me révèlent que Royce fait un score un petit peu plus gros. Je vais donc commencer par Altea. Oui. Tu vas me faire ton jet d'herboristerie pour savoir ce que tu arrives à ramasser. Donc, pour rappel, jet de compétences, ça veut dire D10 plus volonté plus herboristerie. D'accord. Pour un score final de... Si c'est possible, oui. J'essaye aussi de récupérer des trucs comestibles. Ou qui... Alors, je sais pas s'il y a le genre fine herbe qui passerait bien avec les viandes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est vraiment... T'es fourbe, ça. Voilà, tu ne peux pas accueillir de quoi te nourrir avec herboristerie. Incroyable. Elle a la connaissance de la nature, il me semble. Non. Non. Non, elle a connaissance générique. C'est le monsieur qui s'y connaît. Non, d'accord, je croyais que tout le monde l'avait, c'est pour ça. Non. Elle pue la nature. Donc, tu obtiens un score de combien en herboristerie? Alors, ça, c'est pas formidable que je retourne. C'est pas évident parce que je tiens un chat de l'autre main. Alors, lâche ton chat. On a dit que c'était. Je peux pas. Elle est vieille. Et herboristerie... 18. Tu commences à faire le tour du coin, cherchant de qui de quoi. Tu sais que tu es en bordure de mer. Ça veut dire que tu as potentiellement des algues qui sont au bord de la plage et qui peuvent servir. Donc tu t'en profites pour faire un passage au bord de l'eau, histoire de voir ce que tu pourrais pas ramasser. On t'a bien dit de pas t'aventurer dans la forêt, tu sais que c'est super handicapant parce qu'il y a sûrement plein de choses sympathiques. Ouais, ils m'ont dit, c'est bien. Voilà. Alors, est-ce que tu obéis ou pas?
qu'elle est tellement dans son truc qu'elle fait pas gaffe à qu'est-ce que c'est loin, en fait. D'accord. Tu vas me Elle lancer... est un peu comme ça. Tu vas me lancer un D4. Yeah. Maintenant que tu as des dés, profites-en. 2. Au bout d'une demi-heure, tu te retrouves avec dans ta besace de quoi composer 4 sacs de remèdes. Ah. Je suis fière de moi maintenant, j'essaye de retrouver ma route pour rentrer. Voilà, le truc moins sympatoche, c'est qu'au moment où tu es contente de toi et un petit peu fourbu, parce qu'il faut se baisser, tout ça, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. En plus, c'est pas, tu vois, c'est pas une forêt où tu traînes très souvent, t'as pas tes repères. Ah bah tu vas faire un petit peu au pif, alors tu entends la mer, donc tu sais à peu près où est la plage. Donc, tu te dis, voilà, il serait peut-être temps de rentrer maintenant. Espérons que tu y arrives. Pendant ce temps, Royce, toi tu es parti chasser. Exact. Il n'est pas sans surprise de constater que la forêt est très giboyeuse. Vu que c'est un coin où vous n'allez pas chasser, où on vous a dit de ne pas aller, ben les animaux, ils s'éclatent. Ils sont à l'aise, ils sont nombreux, ils se reproduisent bien. Tu te dis que ça va pas être bien compliqué d'arriver à chasser. Je vais quand même te demander un petit score de chasse pour voir ce que tu ramènes. D10, plus volonté, plus chasse. Et ça me fait 19, du coup. Ok. Putain, c'est pour pas tomber sur le nid des narnes. Ou au contraire, tomber dessus. Et c'est ainsi que Royce. C'est ainsi qu'Althea devint la reine des narnes. Tu commences à ramasser petits gibiers divers et variés. Il y a des lapins, des lièvres pour être précis, qui te semblent être un truc assez idéal. À récupérer, à transporter, à cuisiner, ouais. Ce genre de choses-là. Tu t'aventures dans cette forêt qui est curieusement pas désagréable. Juste pour Royce, t'as peut-être la musique même. Oui, j'ai la musique. En fait, c'est cool. Que j'ai mal réglé mon son. Du coup, j'entendais pas. Bande de salauds. vous me faites croire. En fait, depuis le début, vous me faites croire que ça marche pas alors que tout est chargé, tu vois. Ah, mais j'ai rien, j'ai pas l'idée! Connard. Tu trouves que cette forêt est super agréable. Elle est vraiment hyper sauvage, elle est assez dense, elle est verdoyante, il y a des bruits d'animaux un petit peu partout. Si ce n'est cette sale réputation qu'on lui fait, très honnêtement, c'est un coin où tu reviendrais assez volontiers, quoi. Enfin, tu pensais ça jusqu'à ce que tu entends une sorte de petits cris aigus et un peu surexcités qui vient de derrière un fourré qui se trouve non loin de toi. Ah. Et c'est le moment où tu t'immobilises en mode qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Est-ce que avec connaissance de la nature, je peux essayer de déterminer ouais. Qu'est-ce que ça peut être comme cri? Yep. Ok. Donc, D2. 10, non, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai fait 6. Ta volonté et ta connaissance. Pour un score de... Ça m'a fait encore 19. Non, qu'est-ce 12. Que je te dis des bêtises. Si, c'est ça, 19. Non, non, c'est bon, ça. Eh oui, t'as pas l'étrisme, tu sais pas compter, ça aide pas. c'est ça. De ce que tu peux en savoir, toi, c'est pas un cri de créature qui vit dans la forêt. D'accord. Ça vient de derrière moi, du coup. Devant toi, sur la droite. Devant moi, sur la droite. Je prends mon bouclier malon et je me mets en garde. Ok. Et je demande, je fais, y a quelqu'un? Les petits cris s'arrêtent, suivis par une sorte de bruit comme si quelqu'un écrasait des fourrés.
D'accord. T'as l'impression que quelqu'un essaye de s'éloigner. Est-ce que avec perception, je peux essayer de non. voir s'il y a quelque chose en... Non. Et là, c'est la forêt super dense. L'objet du bruit, en tout cas, se trouve à quelques distances et bien planqué derrière tout un tas de végétation. Donc, il n'y a rien à voir. D'accord. Le laisses-tu partir ou pas? Je vais me rapprocher de lui, mais toujours en étant très prudent derrière mon bouclier. Tu t'avances, tu arrives au niveau du... Tu penses du moins du grand fourré qui te bloque la vue. Tu l'écartes du bout de la lance pour voir ce qu'il y a derrière. Tu te retrouves en hauteur, c'est-à-dire que derrière le fourré, il y a une sorte de pente qui descend assez abrupte. À l'oreille, il te semble qu'il doit y avoir un petit cours d'eau qui passe en bas. Tu entends le bruit de l'eau qui clapote en quelque sorte. Et du coup, tu es obligé de lever la tête pour regarder en bas. Et un peu à côté du cours d'eau, tu vois deux créatures qui sont, tu dirais, en train de s'éloigner côte à côte. D'accord. Si tu ouvres la fenêtre 2, tu verras à quoi elle ressemble. Mmh. Est-ce qu'elle s'éloigne plutôt en direction du village ou Alors, plus non. loin dans la forêt? Au contraire, c'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression qu'elle cherche à s'éloigner, mais de toi. D'accord. Du coup, je vais essayer de me dépêcher pour faire demi-tour et revenir au village. Ok. Et dire que on n'est pas seul dans cette forêt. Tu n'attends pas ton reste, ce qui met un peu une halte à ta chasse. Tu vas me lancer un D6. Alors attends, je vais remettre à zéro pour être sûr qu'on se plante pas. Mais voilà. Donc tu as fait 2. Tu es un peu dépité, puisqu'au final, tu n'as pu ramener que de quoi faire une ration. Alors que tu as l'impression que si tu passais du temps, il y aurait matière à bien récupérer, mais bon, là, tu t'es fait un peu interrompre. Mmh. Et tu retournes au village. Quand tu reviens, tu vois William, qui est près de la carriole, avec les chevaux. Ils sont en train, avec Sloane, de transporter le père Bastien à l'intérieur. Sol n'est pas en vue, et Althea n'est pas en vue. Tu vas pouvoir utiliser pistache. William, Althea et Sol ne sont pas revenus? Non, pas encore, mais comment ça se fait que tu sois déjà là? J'étais en train de chasser dans la forêt et je me suis fait interrompre par des cris. Et c'est là que j'ai vu au loin deux créatures, sûrement des nardes encore. On n'est pas seul dans cette forêt. Ouais, c'est pas vraiment étonnant vu la rencontre qu'on a eue hier soir. Mais qu'il se trimballe encore pas loin de nous, ça m'inquiète un petit peu. Faudrait pas trop traîner. T'as pu trouver quelque chose un petit peu? Seulement un lapin, de quoi faire une ration. Bon bah écoute, prépare ça. Un petit point de détail, on est bien d'accord sur la photo que t'as vue en page 2. Oui. Ah oui. On est d'accord. Oui. Donc après, tu dis ce que tu veux, mais... Il n'y avait pas que des nardes. Enfin, il y avait ce qui pouvait s'en apparenter à un et l'autre. On aurait plutôt dit un humain. Un peu plus grand, tu vois. Un humain. Du moins, non, il avait l'air de lui parler. De parler aux nardes? On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans cette forêt. Hein. Peut-être que
des gens. C'est un homme, une femme, c'est ressemblait à quoi cet humain? Plutôt une femme, assez courbée. Peut-être vieille, je pense. La longue chevelure grise. J'aime pas trop ça. Je saurais pas trop quoi en penser. J'aimerais bien avoir l'avis de Saul et d'Altea là-dessus. Et comme répondant à tes paroles, Saul sort de l'orée de la forêt. Et s'il devait venir ? Il arrive, il porte du gibier sur son épaule. Une chasse un peu meilleure que celle de Royce. D'ailleurs, tu n'es pas sans voir son regard quand il regarde ta misérable prise. Avec un petit sentiment de... Quand même, c'est Bibi qui chasse, quoi. Et par contre, dès qu'il voit le regard de William un peu plus inquiet, son sourire cesse. Il y a un problème. Vas-y, Royce. Raconte-lui, moi je vais voir si je peux trouver Altea. Est-ce que tu as vu des personnes lorsque tu étais dans la forêt? Non. Pas des traces de Narn, mais j'appelle pas ça des personnes, quoi. Bien de mon côté... Toi, oui. J'ai vu ce qui s'apparentait à un Narn et... Là, à une personne. Un humain. Une vieille dame, je dirais. Qui vivrait dans cette forêt? Si on ne sait pas vraiment ce qui se cache là-dedans. Puis, tout ce qu'on entend sur cette forêt, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais tu veux dire ensemble? Oui, ensemble. Elle avait l'air de lui parler. Ça parle, Narn? Enfin, je veux dire, à part autre, quoi. Peut-être que ces personnes capables de la comprendre. Waouh. C'est flippant, ça. Oui. Et c'est pour ça que je m'inquiète qu'Altea ne soit toujours pas revenue. Tu m'étonnes. Écoute. C'est clair que de nous deux, c'est moi le chasseur. Mmh. Ok. Moi, je te propose... Tu vas avec William. Comme ça, moi, je m'occupe des bêtes qu'on a ramassées. Et si Altea a des problèmes, vaut mieux que vous soyez deux. Très bien. Allez. Et il commence à sortir son couteau de chasseur pour dépecer les animaux. Pendant que tu t'élances à la poursuite de William, qui lui-même est allé à l'endroit où Altea traînait. Jusqu'à il y a quelques minutes, un quart d'heure. Et je pense que des petits jets de pistage ne seraient pas de trop pour arriver à savoir où est Altea. Bah, pistage pour lui, et peut-être perception, si ça peut servir. Non, mais tu peux, enfin, tu peux faire du pistage sans avoir la compétence. Hein. C'est juste que tu n'ajoutes pas le niveau pistage, quoi. D'accord. Ok. Pas 17 du coup. Pistache et volonté aussi. Ouais, c'est beaucoup de choses sans volonté. 21. Excusez-moi. Poussez-vous, je passe par là. C'est William qui arrive à repérer des traces d'Altea dans un endroit où il ne s'attendait pas à en trouver, c'est-à-dire que vous trouvez la piste qu'elle a prise pour rentrer dans la forêt. Alors qu'elle ne devait pas rentrer dans la forêt. Vous suivez, vous notez des endroits où elle s'est certainement arrêtée, il y a des herbes coupées, il manque des branches. Vous essayez de la rattraper. Altea, tu es parmi nous ? Oui, c'est moi. Oui, tu es parmi nous. Oui. Alors, ton chemin, c'est pas très évident. Hein ? Il y a deux ou trois moments où tu étais sûr que le son de la mer venait de la droite et tout d'un coup, tu as l'impression qu'il vient de la gauche alors que techniquement, c'est pas possible. Tu hésites à crier pour qu'on vienne te chercher parce que tu sais pas trop ce qu'il pourrait te répondre. Je me sens pas encore trop perdu, ça va. Tu... Elle est d'une mauvaise foi absolue. Hein. Tu fais des marques sur les arbres en espérant que, voilà, au moins que toi tu ne tournes pas en rond, c'est ça l'idée. Et à un moment où, avec ta dague, tu étais en train de faire une entaille sur un tronc d'arbre, une voix venant de derrière toi te dit
Alors, ma jolie, on est perdu. Bonjour. Momentanément égaré. Mais pas complètement perdu. Tu dis ça en te retournant. Et si tu ne l'avais pas déjà fait, tu peux ouvrir la fiche numéro 2 pour voir la vieille dame qui est en train de te parler. D'accord, elle... une vieille dame dans la forêt, je la comprends complètement. Hein. Elle doit avoir à peu près l'âge du père Bastien, à vue de nez. Elle est plutôt crasseuse. Elle habite dans la forêt. Voilà, elle se coiffe pas vraiment tous les matins. Elle se promène pieds nus. Elle est vêtue de haillons qui sont couverts de brindilles, de feuilles mortes. Elle a des yeux étonnamment pétillants pour son âge et un sourire, tu as du mal à savoir si c'est plutôt de bon augure pour toi ou pas. Elle est voûtée. Elle te regarde un petit peu par au-dessus, hein, puisque techniquement sa tête est bien plus basse que ta tête à toi. Elle a une main qui tient son dos. Et l'autre main sur un bâton qui l'aide certainement à marcher. Je peux t'aider peut-être. Ça va aller, mes amis sont pas très loin. Tes amis. Mais c'est gentil. Amis. Je pourrais te raccompagner. Où veux-tu aller? Au village, mais sans prétention aucune. Bien, bien. Elle a l'air d'hésiter un peu. Farfouille dans sa chevelure, comme si elle se grattait la nuque, et sort de sous sa masse de cheveux une créature qui doit faire à peu près 15 cm de long, qui a l'air d'être un rat peut-être. Et elle murmure des trucs à son rat, et elle pose le rat par terre, et le rat commence à détaler dans une certaine direction. Et elle te regarde en souriant et te dit « Alors, nous n'avons qu'à le suivre. » Ça a l'air intéressant, je les suis. Elle commence à suivre le rat, qui de temps en temps s'arrête, tourne la tête pour vérifier qu'on est bien en train de le suivre. Vous cheminez. C'est du dressage ou c'est magique ce que vous faites? Un peu des deux. Mais vous savez, le dressage, quelque part, c'est magique. Vous venez souvent dans cette forêt? Souvent, non, ça... Non. Vous savez que c'est pas un endroit très... très fréquentable. Oh, jusque-là, les locaux que j'ai croisés sont plutôt sympathiques. Les petits larnes, hein? Ah, ils sont pas... Enfin, ils sont... De drôles de créatures. On se comprend mal, c'est ça le problème? De drôles de créatures. Oh non, non, non. Nous nous comprenons très très bien, au contraire. Très très bien. C'est vrai ? Ils vous ressemblent. Ils vous ressemblent plus que vous ne l'imaginez. Je pense, oui. Comme dit, c'est une question de compréhension. Nous, on n'arrive pas à les comprendre. Vous n'avez pas besoin de les comprendre. Ils sont comme vous. Vous savez, au fil du temps, les narnes ont appris de vous. Ils vous ont copié, ils vous ont singé. Ils ont récupéré certaines de vos habitudes, certaines de vos objets. Quelque part, je suis sûr qu'ils vous admirent et qu'ils vous envient. C'est curieux, n'est-ce pas? Ça pourrait être intéressant de créer des ponts entre nos deux cultures. Je suis pas sûr que nos deux cultures puissent coexister. Vous voyez, je pense que si les nerfs... Nos étaient... deux cultures? Oui. Vos deux cultures. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, jeune fille? Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous nous ressemblez beaucoup et vous avez l'air de vous mettre à part de nous. Vous m'avez bien regardé. Vous trouvez que vous et moi, on fait partie de la même culture, peut-être? Alors, oui, non. Mais d'apparence comme ça, on se ressemble plus qu'aux narnes.
je parle pas de culture, hein, je parle d'apparence. D'apparence. Ils sont petits, ils ont la peau d'une autre couleur. Oui, ils ont deux mains, ils ont deux pieds, ils ont deux yeux, ils ont des dents. Ils communiquent entre eux, ça t'éprouve une certaine forme d'intelligence. Ils ont des armes, ils ont un chef, ils ont des coutumes. Vous n'êtes pas si différents qu'eux. Si différents. J'ai jamais dit qu'on était complètement différents. Le problème, voyez-vous, c'est que si les nains n'étaient plus nombreux ou plus courageux, je pense sincèrement que l'une des deux cultures aurait pris le pas sur l'autre, quelque sorte. Il vaut mieux qu'ils restent où ils sont et que vous vous restiez où vous êtes, c'est-à-dire pas dans cette forêt. Avec grand plaisir. Et sans vouloir être indiscrète, vous j'aurais allez grand où plaisir à rejoindre ma culture. Vous allez où comme ça? Vous voyez la tour triste? Très bien, oui. On a quelqu'un qui nécessite des soins de la part des prêtres et des questions à leur poser sur quelque chose de vraiment, vraiment pas net et qui ferait probablement autant de mal aux Narnes qu'à nous. Je vous arrête. Mel peut soigner. Mel, c'est moi. Je peux soigner. Enchantée. De même. Comment vous dire ça poliment? Mes compagnons ne sont pas forcément les plus ouverts d'esprit par moment. Parce que je ne suis pas bien coiffé, c'est ça? Je sens mauvais. Je suis une vieille femme. Alors j'aurais pas dit pas bien coiffée, parce que pour ça il faut quand même commencer à se coiffer. Mais non, ils peuvent être surpris par vos choix de vie, notamment l'endroit où vous vivez. C'est assez peu orthodoxe chez eux, et chez nous d'ailleurs. Et ça peut entraîner la suspicion profonde. Elle hausse les épaules. Ils ont déjà peur de moi. Elle hausse les épaules et maugré un petit « tant pis, tant pis ». Vous ne savez pas ce que vous faites. Je peux essayer de leur poser la question, mais... Eh ben, je crois que vous allez être servi, dit-elle au moment où, sortant du buisson en face de vous, arrivent William et Royce. Hey non, c'est moi, vous pouvez ranger vos armes. Non, tu devrais faire attention avec cette personne. Pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai vu parler avec un arme. Ok. Va bien, Alter? Oui, elle était en train de me raccompagner visiblement sur le bon chemin, puisqu'on vous a croisé. Je vous présente Mel. Mel n'est pas Mel, une Mel, voilà, William et Royce. Bonjour les jeunes. Bonjour Mel. Bonjour. C'est vous qui êtes blessé, c'est ça? Elle approche de William. Elle a proposé de voir si elle pouvait aider notre blessé. Ah. Vous êtes soigneuse? Mel soigne tous les maux. Et même plus. Et Mel habite dans la forêt? Oui, une belle cabane. Tu veux voir la cabane à Mel? Tu hésites? On a déjà un prêtre. Je vois pas pourquoi on aurait besoin d'elle. La vieille tapineuse des bois. Ils disent tous la même chose de toute façon. Elle claque des doigts, ce qui vous permet d'ailleurs de remarquer que tout comme sur le dessin, elle a des doigts un peu longs, visuellement. Les vieilles, les vieilles personnes ont parfois des doigts tordus, mais elle a des doigts quand même un peu longs. En tout cas, elle claque des doigts et son rat, puisque c'est bien un rat, remonte le long de sa robe et retourne se planquer dans sa chevelure. Et bah tant pis pour vous alors. Mais si jamais vous êtes déçu par ces messieurs du temple, vous savez où j'habite. On se reverra. Et elle s'éloigne en maugréant, on se reverra. Merci en tout cas. De rien petite, de rien. Ouais, merci.
Merci de rien. Mais vous êtes pas très poli avec une vieille dame. Hein. Peut-être pas si dame que ça, mais peu importe, elle est pas méchante. Tu veux juste que je te rappelle ce qui s'est passé hier soir ? Techniquement, ils nous ont pas attaqués, ils voulaient manger les chevaux. Techniquement, ils nous ont pas attaqués. C'est nous qui avons commencé à leur tirer dessus. Ouais, quand je vois des nains arriver à l'endroit où je dors, j'ai tendance à tirer dessus, ouais, c'est vrai. Ils mangent, ils chassent. Le sanglier aussi vous chasse, enfin répond quand vous le chassez. Il vient pas nous voir, c'est ça la différence. Oui, c'est nous qui allons le chasser. Bref. Écoute, Althea, si tu veux aller la voir dans sa cabane, je t'en prie. Personnellement, je ne suis pas venu faire ami-ami avec les locaux, je suis venu essayer de sauver mon père. C'est comme tu veux. Mais il faut être ouvert à toute source d'aide qu'on peut trouver. Tu penses que ça peut nous aider ? On sait jamais. Elle est encore en vue, même ? Alors, elle doit pas être très loin, parce que elle n'est pas d'une vitesse phénoménale, mais en vue, non. Elle doit juste être dans une direction précise, à quelques buissons de là, quoi. On peut toujours aller voir les prêtres du temple, et si jamais ils peuvent rien faire, eh ben, on reviendra en rampant. Figurativement parlant. Écoute, Althea, moi je ne suis pas versé dans les choses compliquées. C'est peut-être mon défaut, mais je suis très terre à terre. Donc si tu penses que ça peut nous aider ou t'aider, vas-y. Moi je vais aller prévenir Saul en tout cas. Royce, tu peux l'accompagner ? Oui, je peux. Non, on va rentrer tranquillement. De toute façon, je pense qu'on l'a un peu vexé là pour le moment. Ah, il faut te décider vite. Déjà, on l'a perdu de vue. On va rentrer. Elle a dit qu'on se reverrait. Pas forcément bien, mais on se reverra. C'est comme tu veux. Allons-y, Alonso. De toute façon, je préfère qu'elle évite de tomber sur ce qui s'est passé hier soir. Vous revenez au camp ? Oui. Passant complètement sous silence le fait qu'Althea s'est aventurée dans la forêt, vous revenez donc au camp. Vous avez... oui, je vous ai indiqué tout ce que vous avez pu trouver comme rations, fournitures diverses et variées. Vous vous retrouvez donc avec un rab de 4 rations. À vous de voir qui les transporte. 4 rations journalières. Et tu as fait 4 sacs de remèdes, c'est ça ? Tu m'avais pas dit 5 ? Je sais plus. Non, 4. Peut-être 4. 4. Non, 4. 4. Je crois que c'était 4, ouais. Donc, j'ai pas une mémoire folle. Si vous voulez faire des choses avec... avant de prendre la route de la Tour Triste, ça peut être maintenant. Eh bien, avec l'accord de Royce, maintenant qu'on a des herbes cueillies sans l'aide de Mel, je te rassure. Oui, veux. Volontiers. Eh bien, on va tenter de pas faire un. Oui, car Royce n'a que de petites blessures. Ce serait bien de pas les aggraver. Tu ne fais donc pas un, tu fais donc 2. Tu soignes Royce du mieux que tu peux, en tout cas. Tu sais pertinemment que ça va passer de toute façon avec le temps, les blessures qu'il a. Donc ça ne mérite pas non plus que vous en occupiez plus que ça. Le chariot est attelé. Tout le monde est à bord. Et ça Saul... va pour Saul ? Oui, ses blessures. Oui, clairement. D'accord. Très clairement. Avant de partir, est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit qui puisse être intéressant à trouver dans l'auberge, par exemple, ou dans les bâtiments autour ? Tu veux dire emporter avec vous ? Ouais. Alors, bien que vous n'ayez pas fouillé particulièrement le village,
t'as l'impression que tout ce qui était peu ou prou encore utilisable a sûrement été récupéré par les Narnes au fil du temps. Parce que eux, par contre, ont dû fouiller le village de fond en comble. Tu doutes de trouver... Enfin, tu doutes que ça soit intéressant de passer une heure à fouiller le village pour trouver deux gobelets, une carafe, quoi. Ah, mais comme il y avait une garnison... Oui. Allons savoir si dans un placard fermé et tout ça, il n'y aurait pas éventuellement quelque chose. En inspectant la garnison, par exemple, tu remarqueras que tout ce qui pouvait être coffre ou placard est déjà ouvert et vidé. D'accord. Ok. Il y a déjà eu un sacré paquet de visiteurs. Le village de Neveron est en ruine depuis... bientôt un siècle. Ouais, mais il a une très sale réputation depuis presque un siècle aussi, donc... Vous n'aurez pas été sans remarquer dans quelques endroits que des gens ont utilisé le village comme campement, comme vous en fait. C'est-à-dire que vous allez trouver des vieilles traces de feu à l'abri de ruines, ce genre de choses-là, quoi. Mais datant d'il y a très longtemps. Il est plus que temps que vous mettiez en route. Sol se propose de prendre le contrôle du chariot. Ça l'amuse, il aime bien. De toute manière, vous n'allez pas aller très vite. Hein, donc, vous sortez du village, vous arrivez en vue de la forêt. Vous savez qu'il y a un petit tronçon de forêt à traverser. Deux d'entre vous vont se mettre devant le chariot. Alors, si possible, deux personnes avec des épées, parce qu'il va falloir tailler un chemin pour le chariot. Il y a des broussailles, il y a des ronces, donc vous ouvrez autant que possible un chemin pour pas que le chariot se coince, ce qui n'est pas évident. Vous cherchez une trace de route, même une vieille route qui aurait pu exister à une époque, vous n'en trouvez pas. C'est vraiment passage par la forêt, ce qui rend la progression avec le chariot très hasardeuse. Ceci étant, il est à peu près midi, quand vous arrivez de l'autre côté de la forêt sans encombre. Devant vous s'ouvre ce qu'on appelle le plateau des 100 bosses. Il s'agit de collines assez grosses, de collines assez escarpées, rocailleuses. Alors, visuellement, vous ne voyez pas la tour triste. Il y a beaucoup de relief en fait, donc elle est plus loin et certainement planquée au milieu des rochers. Vous avez qu'une idée approximative, hein, vous savez que c'est vers l'ouest. Et vous savez aussi qu'il va falloir être assez attentif pour pas la rater et passer à côté. Et éventuellement trouver un point de vue un peu surélevé, pour avoir une vue plongeante sur cette succession de collines, et arriver à vous repérer. Vous savez aussi que, à l'époque où le fort a été construit, c'était un fort militaire, donc il devait avoir une position d'où il pouvait voir, et surveiller la zone autour. Donc vous cherchez pas un fortin qui est planqué au niveau du sol, encaissé dans une vallée. Lui-même doit être juché sur une colline. Vous allez cheminer, soit dit en passant, puisqu'il est midi, je vous invite à enlever une ration de vos rations. Si vous en avez, ou trois pour ceux qui donnent de la bouffe à tout le monde. Vous cheminez une bonne partie de l'après-midi. Vous avez gagné une colline un petit peu en hauteur. Vous avez essayé de scruter pour trouver ce fortin, dont l'accès semble pas si évident que ça. À un moment, Sol avance l'idée de laisser le chariot sur la colline et de partir dans des directions différentes pour examiner un peu le coin, à savoir celui qui arrivera à trouver le fort. Je lui fais confiance. Ça peut être une bonne idée aussi. Il vous dit, moi je veux bien qu'on continue à avancer, mais si on passe à côté, c'est-à-dire si à un moment on le dépasse et qu'on est en train de regarder devant nous, on a juste pas de temps à perdre. Alors, je dirais même que éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est décrocher les chevaux du chariot. Et il y en a deux qui montent à cheval, et ils vont un peu dans la zone pour essayer de repérer, quoi.
Bah, alors, moi, je vais prendre. Je vais prendre un cheval, du coup, et essayer de partir à la recherche de la tour. Ok. Sol, lui, c'est pas spécialement monter à cheval plus que ça. Donc, si un candidat. Bah, je vais le faire. Ok. Mmh. Vous partez donc à cheval. Alors, vous vous doutez que c'est pas la peine de partir à l'est, hein, par exemple. Donc, vous essayez de vous répartir un peu nord-ouest, sud-ouest. Vous allez mettre à peu près 2 heures avant que l'un d'entre vous, n'importe lequel, finisse par repérer une construction humaine, fortifiée, dans un plutôt sale état, qui se trouve quelque part non loin de l'endroit où le chariot est arrêté. Alors, les lignes de vue sont assez bloquées, très, très honnêtement, c'est pour ça que vous avez du mal à le trouver. Vous supposez qu'à une certaine époque, le fort devait s'élever beaucoup plus haut, et avoir une plus grande hauteur de vue, et qu'avec le temps, les tours se sont un peu effondrées. Et du coup, il ne reste plus que la base, en fait. Vous revenez donc au chariot, pour indiquer à peu près la route qu'il faut emprunter. Et vous arrivez, au final, devant quelque chose qui se trouve dans la case numéro 3. Qui s'appelle la Tour Triste. Et qui, comme vous pouvez le voir, a connu des jours bien meilleurs. Le soleil est en train de se coucher à l'horizon. Est-ce que vous avez des intentions particulières au niveau de votre arrivée? Ou pas du tout? Puisqu'on est en vue, est-ce que je peux faire un jet de perception, voir si... Je repère des mouvements de personnes, quelque chose. Vas-y. Ça, tu peux remettre à zéro, s'il te plaît. Je peux tout faire. Voilà pourquoi il fallait. Deux. Tu fais arrêter le chariot alors qu'il est un petit peu à l'abri des regards, en fait. Tu examines l'édifice qui est dans un très mauvais état de manière globale. Tu supposes même que une bonne partie de la structure que tu vois est juste inhabitable, en fait. Tu te concentres sur les parties les plus basses. Il y a de la lumière aux fenêtres. Signe que c'est habité. Rien de plus, rien de particulier. Personne dehors en train de... Non, aucune activité visible humaine dehors. La seule... Écoutez, je vous propose... On est à quelle distance à peu près? La seule animation que tu vois, c'est au plus haut du temple. Au plus haut de la Tour Triste, il y a, mais ça c'est de notoriété publique en fait, il y a un pigeonnier. Il y a un endroit où les prêtres élèvent des corbeaux. Et donc il y a plein d'oiseaux là-haut. Et à quelle distance à peu près? Là vous êtes à 200 mètres. D'accord. Prendre un cheval. Je vais prendre un cheval et je vais aller voir. Ok, seul? Seul. D'accord. Et voilà, je dis à Royce et à Saul, je vais aller voir ça et je reviens vers vous. Si vous voyez que je suis pas là d'ici une demi-heure, faites attention. Une demi-heure, t'es large. T'as le temps de mourir 10 fois en une demi-heure. 10 minutes. Non? Si tu veux, je te laisse juger. Ok. Et tu cries s'il y a un souci? Compte sur moi. S'il y a un gros problème, de toute façon, je prends en sorte de revenir au plus vite. Oui, qu'on a le temps de faire demi-tour avec notre cheval. C'est cassé. Et la carriole.
Sol se brandit son arc, encoche une flèche, se met dans un coin où il a un bon poste de tir et se tient prêt. Tu chevauches, tu arrives en vue du temple. Alors effectivement, le bas du temple a été refait il y a quelques années, très certainement, donc est un peu plus conforté, un peu plus solide en fait. Il y a une grosse porte en bois qui ferme le temple, qui est fermée à l'heure actuelle. Il n'y a pas ni de chevaux, ni de chariots dans la cour. Ce qui fait que tu arrives à cheval dans cette cour, devant cette porte, sans que personne ne vienne à toi ou t'interrompe. Je prends mon arc à la main, question 2. Et... Hola, il y a quelqu'un ? Ta voix porte. Il y a de l'écho dans cette cour. Ta voix résonne, tu accordes aux habitants de la tour triste quelques minutes pour réagir. Ce qui ne tarde pas. La grosse porte en bois s'ouvre, s'entrebâille, laissant à peu près un mètre. Et tu vois une silhouette encapuchonnée qui tient une torche, qui tient une lanterne, pardon, brandie devant lui, qui passe la tête dans l'encadreur et qui demande « C'est pourquoi ?» Pardon de te déranger. Tu es bien un prêtre de Hof ? Je ne suis qu'un clerc, mais vous êtes bien dans un temple de Hof. La silhouette semble un peu plus en sécurité, on va dire, c'est-à-dire qu'elle pousse la porte un peu plus et sort pour venir vers toi. Ouais, j'ai pas encoché de flèche, hein, j'ai juste l'arc à la main. Mon père est très gravement blessé. On m'a dit que vous pourriez l'aider. Pourrais-je vous l'amener ? Dans un cas comme dans l'autre, nous pourrons toujours l'aider. Il cherche du regard autour de lui. Je vais le chercher, ainsi que mes compagnons. Je vais prévenir le passé. Et je au chariot. Tu leur fais signe d'avancer, je suppose ? Ouais. Mais ils ont peut-être besoin du deuxième cheval, je sais pas. Vous arrivez donc tous dans la cour. Le jeune clerc, puisqu'il est jeune, est revenu accompagné de confrères. Ils sont trois à vous attendre. Un seul qui tient une lanterne. Ils sont vêtus de noir, ils ont une capuche sur la tête. C'est pas très réjouissant comme ambiance, je dois bien vous l'avouer. Ils ne sont pas armés. La tour triste. Bah, ils sont un peu, voilà, ils font un peu ton sur ton, quoi. Ils ne sont pas armés. Ouais. Ils regardent le chariot approcher avec une attitude habituée. Vous savez qu'on leur ramène les morts, donc voir un chariot arriver, voilà, il n'y a rien de très surprenant. La seule différence, c'est peut-être que cette fois-ci, il est encore en vie. Ils vont vous inviter à le faire entrer à l'intérieur. Donc vous portez le père Bastien comme vous pouvez. À l'intérieur de ce temple, alors la pièce principale dans laquelle vous entrez, qui doit être une sorte de pièce de prière en fait, est assez dénué d'ornements. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise. C'est une grande pièce en pierre. Il y a quatre piliers qui vont jusqu'au plafond, des piliers assez massifs. Une sorte de stèle centrale avec le symbole de Hof qui est au sol. Il y a des cierges allumés un petit peu partout, ambiance. Et vous allez déposer le père Bastien sur leur conseil, au milieu de la stèle. Et une fois qu'il est au sol, un des clercs vous dit « Le passeur arrive. » Ils se mettent à attendre. Passeur ? Oui, le passeur. Celui qui dirige ce temple. D'accord. Je regarde si j'ai de la monnaie sur moi. Pas assez. Vous entendez des bruits de pas, de sandalettes sûrement, sur le sol en pierre, qui viennent de loin, mais qui se répercutent en écho.
Vous entendez ces sandalettes descendre un escalier, très certainement. Une porte grince, vous la voyez s'ouvrir au fond de la nef. Et une silhouette, elle aussi encapuchonnée en noir, avance vers vous. Quand il arrive à portée de vue, il porte clairement autour du cou le symbole de Hoff. Donc, un grand oiseau noir aux ailes déployées. Tout comme votre ami Sloane porte le triangle doré qui est le symbole de Tanit. Il s'avance vers vous, enlève sa capuche, découvrant une tête de quelqu'un qui doit avoir 40-42 ans, barbe noire, assez impressionnante, assez fournie aussi, sourcils broussailleux noirs, très peu taillés, cheveux longs noirs, le mec qui met l'ambiance dans les soirées. Il vous regarde un par un, regarde l'homme au sol, s'agenouille, pose une main sur son front, puis relève la tête, et puis lance à la cantonade. Il est encore en vie. Oui. C'était justement pour essayer d'améliorer son état, que nous vous l'avons amené sur les conseils d'une amie. Elle a dit que si quelqu'un pouvait quelque chose pour lui, ce serait vous. Et je peux de multiples choses pour des êtres aussi âgés que lui. Son temps n'est pas venu. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne préférerais pas. D'accord. C'est vous qui voyez. Que lui est-il arrivé ? Il est tout ce qu'il me reste de famille. Si vous pouvez le sauver, je vous demande de le faire. Il se relève. Que lui est-il arrivé ? Une tempête à Ament. Il s'est retrouvé à l'eau, des débris. Et il a été assommé et gravement blessé. Grâce à Sloane, ici présent, il a pu tenir jusqu'à maintenant. Mais vous êtes mon dernier espoir. Nous allons nous en occuper. Il fait signe à ses trois acolytes de l'emmener plus loin. Et les trois obtempèrent, soulèvent ton père et l'emmènent. Et Sloane demande humblement la permission de suivre. En fait. Et donc s'éloigne avec le cortège. Vous laissant avec ce sinistre monsieur. Nous aurions aussi des questions posées sur un sujet complètement autre. Verriez-vous une objection à aborder ces questions en dînant ? Non, au contraire. Merci de votre hospitalité. Bien, ce n'est pas beaucoup, mais nous le partageons avec plaisir. Suivez-moi. Il vous emmène dans ce qui doit être un réfectoire. Un peu à l'instar de la nef, c'est une grande pièce assez vide au final. Il y a juste une grosse table en bois en plein milieu, sur lequel quelques novices ont déposé à manger. C'est pas géant, hein, c'est pas la cuisine des chefs, mais ça a l'air assez consistant et en bonne quantité. Et lui-même s'installe d'un côté de la table, vous invitant à vous asseoir en face. Vous venez d'Ament. C'est bien ça? Oui. Un village intéressant, Ament. Un village qui grandit, un village bien organisé. J'y suis allé, par deux ou trois fois. Gérer les docks. Les docks. Père Bastien. Oui, c'est lui. D'accord, d'accord. Vous devez être William, alors. En effet. D'accord. Et à part partager mon repas et amener votre père, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous écoute.
priest ici présent pourra certainement mieux vous expliquer ce qu'il a pu observer et ce qu'il a amené avec lui. Par où commencer ? Eh bien, comme on vous l'a dit, il y a eu une tempête à Met il y a quelques jours. De là, s'est échoué sur le rivage un bateau qui avait avec lui une cargaison assez spéciale. Dans cette cargaison, il y avait un coffre avec une fiole de sang. Un sang qui ne coagulait pas. Durant l'échouage du bateau sur les rives d'Ament, un loup a dû boire ce sang. Et après s'être échappé dans la forêt, avoir tué toute une meute à lui tout seul, il est venu à ma ferme et a tué ma mère. On a décidé de brûler la tête de ce loup, mais nous avons toujours le sang avec nous. Et j'avais aussi une question à vous poser. Mon père, qui s'est occupé de ma mère après sa mort, il s'appelle Todd, est peut-être venu à la Tour Triste pour apporter le corps de ma mère. L'auriez-vous vu ? Pour répondre à la question la plus pressée, évidemment, non, je n'ai vu personne. Et avant de parler de tout ça avec vous, pourrais-je savoir pourquoi venir au temple de Hoth pour parler de ça ? Pourquoi pas ailleurs ? Pourquoi pas au château, par exemple ? Château. Mon micro est coupé. Nous sommes venus ici sur les conseils d'Ambre des Forêts. Admettons. Et que vous Elle nous a évoqué la possibilité que tout cela soit lié à quelque chose qui se nommerait le mal ancien. Le mal sombre, jeune fille. Mal sombre. Le Merci. Mal sombre. Il a l'air de... Comment dire ? Comme s'il aurait apprécié que vous ne sachiez rien, peut-être. Comme ça l'aurait arrangé et qu'il aurait pu vous servir la soupe. Voilà. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Nous y venons. Pourrais-je voir ce sang ? Du coup, je lui tends... La fameuse gourde. Il l'attrape. Il la dévisse. Il renverse son verre qui contenait un liquide quelconque et verse dedans une partie de la gourde. Vous n'êtes pas sans remarquer que la main qui tient le verre tremble un peu. Et que son regard est plutôt inquiet. Dans un bateau. Avec une lèvre. Un bateau qui a fait naufrage. Un loup. Votre mère. Le mal sombre. Je pourrais vous parler de tout ça pendant des heures, mais vous cherchez quoi comme réponse ? Je mets un petit coup de coude à William, qui a toujours le courrier, lui. J'aurais aimé d'abord qu'il nous dise ce qu'il voulait nous dire avant de lui donner le courrier. Mais il semble vouloir poser des questions plutôt que de répondre. Écoutez, je crains que tout ça n'ait été planifié quelque part. Je lui montre le document. Qu'il dit ?
À votre grande surprise quelque part, lui n'a pas l'air plus surpris que ça, plus étonné. Il a plus l'air conforté dans des idées qu'il se faisait peut-être. Il te rend le message en tout cas. Vous voulez vraiment vous mêler de ça ? Pas particulièrement. À vous de voir. Aujourd'hui, maintenant, je peux soigner votre père. Je peux aider vos blessés. Vous pouvez rentrer chez vous et mener votre vie tranquille. Si vous ne posez plus de questions. Si vous voulez en savoir plus, il va falloir assumer. Vous ne verrez plus les choses comme avant, après. Et votre vie sera peut-être légèrement changée. Je vous laisse. La vie de Roy s'est déjà bien changée. Sa famille a été décimée à cause de ce sang. Oui. On ne sait pas si son père est encore là ou pas. Sa mère est déjà plus là. Peut-être que ça lui suffit. Peut-être non petit. Moi, pas je plus. je veux des réponses à tout ça. Ça, pour moi, c'est clair. Avez-vous imaginé ce que vous feriez si les réponses ne vous plaisaient pas? Comment ça? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous savez, parfois, on met les pieds dans des endroits dangereux. Il se passe des choses dangereuses. Les choses dangereuses appellent les choses dangereuses. Vos vies sont en danger. Des gens apprennent ce que vous savez. Des gens peuvent vous en vouloir. Des gens qui vous ignoraient complètement jusque-là. Et qui rendent votre vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est. C'est aussi ça, avoir des réponses. C'est mettre un pied là où il ne faut pas. Et j'ai des réponses à vous donner, je suis tout prêt à vous les donner. Je veux juste que vous soyez certain de vouloir les entendre. Je suis prêt à les entendre. Et vos compagnons ? Douce. D'accord. Il fait un petit signe OK en direction de William et se tourne vers Altea. Oh, je suis pas venu ici pour juste pour prendre le thé. Ça tombe bien, je n'en ai pas. Bien, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Il fait signe aux novices de sortir. Reverse son verre dans la gourde, jette son verre dans le feu et va se chercher un autre verre. Ce serait con qu'il boive. Elle a fait un petit coup avant de partir. Ah, et merde! Il savait tout, il est mort, il est trop con! se sert un verre de vin.